Puis moi, ça va, j'aimerais te poser une question. Par rapport à la vidéo de ton nouveau son. Quand on regarde la vidéo, on a l'impression de regarder un film chinois. Quand on regarde, on se dit qu'on regarde un film chinois. J'aimerais savoir si c'est pour récupérer la Chine de DJ Arafat. Ou bien, j'aimerais comprendre quoi, parce que je comprends pas. Ça ressemble vraiment, vraiment à un film chinois. Merci. Merci Armand pour la question. Ouais. D'abord, vous voyez, c'est plein de personnes m'ont posé cette question, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis créatif et je suis comme ça. C'est ce qui me plaît. C'est comme si tu me disais que tu avais regardé Chaka Zulu et je voulais prendre les Sud-Africains. Ça n'a rien à voir. Parce que j'avais déjà fait Chaka Zulu avant, qui est un clip merveilleux. Et après, je suis venu faire ça. Et mon deuxième clip, ça sera l'armée russe. 200 personnes habillées en treillis et en costume. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça dépend de mon délire. Mais pourquoi la Chine? Ça m'est venu à l'esprit comme ça. Ok. À cause de la mélodie. Juste la mélodie, parce que c'est à se demander pourquoi tu t'agrippes tant à la Chine. Ça aurait pu être justement l'armée russe là avant de sortir la Chine. Mais on se demande bien si tu n'as pas d'autres idées derrière la tête. Pourquoi non, tu t'agrippes tant à la Chine? Moi, j'ai mes fans. Les Chinois. Ouais, moi, j'ai mes fans. C'est dans le fraîche qu'on est logé. Y'a tous les goûts et couleurs, on a fait qu'une bouchée. Allez goûter, c'est tout frais. C'est pas le départ, mais la fin qui compte. Goûter de fraîche, tout a changé le point. Précis à fraîche, du fruit, du fun, du fraîche. Précis à fraîche, vivez plus fraîche. Tes fans sont les Camoros? Les Camorassiens, ça n'a rien à voir avec la Chine. C'est vrai qu'on partage les mêmes fans, c'est les mêmes fans qui sont Camorassiens, ceux qui sont. Exactement, oui, bah oui, voilà, il n'y a pas de problème. Mais moi, mes fans, c'est les Camorassiens. Je ne l'ai pas fait pour quoi que ce soit, je l'ai fait par créativité. Je l'ai fait parce que j'ai pensé, je l'ai fait parce que je voulais le faire. Ça n'a rien à voir avec récupérer quelque chose et tout ça et tout et tout et tout. Bon, ok, si c'était pour récupérer la Chine, pourquoi il n'allait pas mettre la photo d'Arafat derrière un grain? Ça allait plus donner, non? Ouais. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Peut-être parce que ça allait être un peu trop flagrant aussi. Non, ça n'a rien à voir, c'est ma créativité. Je vous ai dit, les clips qu'on le tourne, c'est comme la danse. Quand tu danses, tu danses soit sur les paroles, soit sur les mélodies, soit sur le pied. Vous voyez? C'est comme ça aussi dans les clips. Les clips, soit tu fais le clip sur les paroles, tu fais le clip ou tu fais le clip sur la musique. C'est deux choses différentes. Si tu as manqué de mettre la photo d'Arafat dans le clip, est-ce que c'est pas parce que tu veux peut-être essayer de le faire oublier? Oublier, non, jamais de la vie. Arafat, c'est le deuxième dieu du coupé décalé. Moi, je suis le troisième dieu du coupé décalé. Ah ouais? Oui, le Arafat, c'est qui? Le premier, c'est qui? Le premier, c'est Duxaga. Le deuxième, c'est Arafat. Le troisième, c'est toi. Ouais. Et où tu mets Serge Benoît, Ariel Chené? Je suis le troisième dieu du coupé. Oui, mais eux, tu les mets où? Ariel Chené. Non, Serge Benoît, ouais, chacun a son délire. Mais en ce moment, c'est moi qui essaie de relever le coupé décalé tout seul. Ah bon? Ouais. Tout seul. Tout seul. Ouais. Ouais, bon, avec quelques gens, DJ Moasco, avec deux ou trois autres personnes, comment ils s'appellent, Pharaon et tout ça. Les autres. Voilà. Bon. Mais après, les grosses têtes, moi, je parle des gens même qui ont fait danser. Ouais. Mais après, tout le monde a commencé à rentrer dans un registre qui n'est pas. Ouais, ouais.